C'est très physique, très dynamique et pour le coup, on s'amuse bien, on y prend plaisir. J'ai adoré, c'était vraiment bien. Je trouve qu'on retrouve vraiment les sensations du rugby pour en avoir déjà fait en tant que valide. Et ouais, c'était vraiment sympa. Donc aujourd'hui, les gars, tout le monde se mobilise, tout le monde écoute, tout le monde connaît son poste. Nico, David, Alain principalement, allez-y, rentrez-leur dans le cul. On joue bien et tout se passera très bien. Et je veux qu'on leur mette une pilule. Andy Dragon Catalan contre Avignon, c'est une belle affiche pour ce match de préparation avant le championnat. Les deux équipes se connaissent bien, elles occupent chaque année le haut du classement. Le rugby fauteuil est composé d'équipes de 5 joueurs, des équipes mixtes, valides et handicapées. C'est la règle. Tous en fauteuil, mais avec la rage de vaincre propre à tous les rugbymen. Les gens ont tendance à s'imaginer que tu joues au ballon assis dans un chariot, quoi, tu vois. Tu rentres sur le terrain, t'es là pour gagner, quoi. Tu pars à la guerre, tu pars pas pour faire un dimanche à la campagne, quoi. Nicolas, à 46 ans, est l'un des piliers de l'équipe. Il joue chez les Andy Dragons depuis la création du club il y a 10 ans. Avec eux, il a remporté de nombreux trophées. Il a même été sélectionné en équipe de France et gagné la Coupe du monde de rugby fauteuil en 2013. Avant son accident, déjà, Nicolas ne vivait que pour le rugby. C'était il y a 20 ans. Il était sur le point de passer professionnel en intégrant la grande équipe de Bayonne. Pressenti pour jouer en équipe de France, il était au sommet de son sport jusqu'à ce soir d'été 96. Je me suis planté dans un rond-point à 160 km/h. La voiture a tapé un peu dans tous les sens et je me suis retrouvé dans le coffre avec le moteur sur les jambes. Et je me suis fait amputer les deux jambes. Vous vous réveillez dans un lit d'hôpital avec deux jambes en moins, un fauteuil roulant à côté du lit. Et puis on vous dit à partir de maintenant, si vous voulez vous déplacer, il faut utiliser le fauteuil. Donc 2 mois d'hospitalisation. Et puis au bout de 2 mois, on vous dit il faut chercher un centre de rééducation parce qu'il y a du boulot. Et pas qu'un peu, parce que je suis resté en rééducation 23 mois. Et puis il y a les douleurs physiques, les douleurs morales. Hein. Enfin, c'est un peu compliqué quand même, hein, surtout au début, quoi. Petit à petit, on arrive à accepter la situation. De toute façon, on n'a pas le choix. Salut, Nicolas. Au centre Bouffard vers Célie de Cerbère, Nicolas retrouve Serge Abbat, responsable du plateau technique de rééducation. C'est lui qui, pendant 2 ans, l'a aidé à se reconstruire physiquement et moralement. Le centre de Cerbère, c'est quand même un bel outil pour reprendre goût à la vie, si j'ose dire. C'est un bel outil de rééducation, c'est un bel outil d'abord parce qu'il y a du personnel compétent et que demander de mieux. Après, malgré le fait que tu aies la mer, que ce soit beau que tu aies un paysage féerique, c'est malgré tout compliqué. Quelques gouttes de sueur. 23 mois, des gouttes de sueur, des coups de gueule, hein, des coups de colère, hein, et puis des bons souvenirs aussi. Ouais. Des bons souvenirs aussi, heureusement. Et des bons souvenirs, Nicolas en a aussi avec Régine, l'éducatrice sportive, qui est essentielle ici. C'est Régine. Comment vas-tu? Ça va. Tu vas bien? Depuis le temps qu'on ne s'est pas vu. Tu n'as toujours pas bougé de place? Non. Et toujours aussi animé ce gymnase? Eh bien écoute, là j'avais fermé, donc forcément il n'y a plus grand monde. Il reste que 2 petits qui jouent au ping-pong. Moi, je te mets une petite branlée au ping-pong? Oui, allez, ça je veux bien. Moi c'est bon, il y a des tétras derrière, on va récupérer plein de balles. T'es prêt? Toutes les activités physiques adaptées contribuent à la prise en charge en rééducation, aussi bien de travail de renforcement musculaire, de réentraînement à l'effort, de travail de l'équilibre. Tout ça dans un but assez ludique, assez global et sportif, hein, qui permet d'avoir des stratégies de façon naturelle. Un patient qui est en fauteuil, quand il va chercher une balle de ping-pong qui est complètement à droite, il ne va pas penser « attention, je risque de tomber », il va venir de façon réflexe à attraper la balle. Le centre propose de nombreuses activités physiques adaptées. Outre le basket, le tennis ou le kayak,
les patients peuvent s'initier à la plongée sous-marine. C'est ici, à Cerbère, que Nicolas a découvert cette nouvelle passion. Elle lui a permis, une fois sous l'eau, d'oublier la pesanteur de son corps, une expérience qui va servir de déclencheur. La plongée, c'est une ouverture aussi hein, sur un autre monde. Ça permet aussi de se libérer du fauteuil, de sortir les fesses du fauteuil, de faire une activité physique qui est à la fois d'exploration, à la fois ludique, et puis c'est un bénéfice psychologique certain. Quand ils découvrent ça, pour eux, ils rentrent en apesanteur. Donc en apesanteur, la moindre sensation... C'est un autre monde, surtout pour la plupart des gens qui se retrouvent en fauteuil. Tu me diras, tu le contredis. Notamment les blessés médulaires. Enfin, oui. Les gars se retrouvent dans l'eau, il y a la pesanteur, il y a ce monde du silence aussi qui est assez grisant. Le moindre mouvement est de suite potentialisé pour eux. Tu sors de ton fauteuil roulant déjà. Étape numéro un, c'est ça. C'est que tu sors de ton fauteuil roulant. La différence qu'on a là, ici, moi en fauteuil et toi debout, cette opposition n'est plus sous l'eau. Quand ils viennent ici, ils oublient tout, ils font une RAZ et ils remontent plein de bonheur. 20 minutes de plongée, c'est 4-5 jours de bonheur derrière. Tout ça, ça se traduit par un bien-être général qui après leur sert derrière dans leur séjour ici. Le fait de faire une activité qui sort de l'ordinaire me remet après au quotidien en me disant « Bon, j'ai été foutu d'aller plonger avec toute une équipe à Cerbère, qu'est-ce qui va maintenant m'empêcher de m'occuper de mon quotidien, de ma maison, d'aller faire mes courses pourquoi pas trouver une activité professionnelle ça permet de rebondir. » Et c'est avec son nouveau corps enfin accepté que Nicolas va peu à peu retrouver le goût de vivre et de vivre intensément. Il y a des choses à faire, alors si ce n'est pas le sport, ça sera peut-être la musique, de la peinture, de la sculpture, ça sera plein d'autres choses. Mais de dire que voilà, la vie ne s'arrête pas là. Les Andy Dragons catalans, en noir, mènent au score face à Avignon. Les joueurs ne se font aucun cadeau, le match est tendu. Les échanges sont suivis intensément par Axel Liboutry, le président du club. C'est lui qui a créé l'équipe il y a bientôt 10 ans. Ce club, c'est un peu son bébé et c'est en le développant qu'il s'est reconstruit après son accident. Le score 7-0. Axel est un ancien joueur de rugby à 13. C'est sa passion, c'est toute sa vie qui se fracasse en 2006 quand il se fait faucher par une voiture. Moelle épinière sectionnée, paraplégique. Un état inacceptable pour ce grand sportif. C'est celui-là qui était champion d'Europe. Allez, celui-là, c'est celui qu'il faut mettre en évidence. Il a tout surmonté, fait de son club un champion grâce à l'aide de sa femme. C'est elle qui l'a ramené vers le rugby et vers la vie. Je me suis renseignée sur Internet et là j'ai vu qu'il existait le Dragon Handy Rugby 13. Enfin non, le Handy Rugby 13. Et je me suis dit c'est le seul tremplin que j'ai trouvé et qui puisse coller à son caractère, à ses envies, à ses goûts. Je me suis dit, il n'y a que ça quoi. Donc on tente l'affaire, on est monté sur Paris et là on a vu un match spectaculaire avec beaucoup de contacts, du rugby à 13 mais en fauteuil. Il m'a dit « Ah ouais, quand même, donc là, non, on ramène ça en terre catalane et puis on monte l'équipe, quoi. » Et ça, c'est fait. Tout s'est enchaîné, bien. La première année, on arrive à gagner un titre. Et voilà, 8 titres de champion de France en 9 ans d'existence. Je trouve que c'est beau, quand même. 8 titres de champion de France, mais aussi 2 titres de champion d'Europe, c'est vrai. Les Andy Dragons ont un beau palmarès. Et ils sont bien décidés à rester au top niveau. Aujourd'hui, c'est la reprise. Axel va retrouver son entraîneur Laurent Despoès. Ensemble, ils font le bilan des nouvelles recrues du club, des joueurs handicapés, mais aussi des valides qui font partie de l'équipe. Cette mixité est une tradition du rugby fauteuil et ils y sont attachés. C'est ça qui est bien, cette mixité qu'on partage, qu'on soit. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas aux Jeux Olympiques. Parce qu'on aurait, que des Andis, il n'y a pas de souci, ce sport-là serait aux Jeux Olympiques. Maintenant, bon, on ne va pas lever cette mixité. Quoi. C'est quelque chose qu'on veut garder dans ce sport.
Cette union handicapée valide, c'est la particularité du rugby fauteuil. Et si les Dragons ont du talent, c'est aussi grâce à la cohésion entre valides et non-valides. Un respect mutuel entre ceux qui acceptent de se coincer dans un fauteuil sans nécessité et ceux qui subliment la paralysie de leurs jambes avec une formidable dextérité. Et c'est ce qui a plu à Laurent. Il y a 8 ans, il a eu un accident lors d'un match de rugby et porte aujourd'hui une arthrodèse pour bloquer sa colonne vertébrale. Mais au rugby fauteuil, il est considéré comme valide. Quand un valide se met dans un fauteuil pour la première fois, ça fait drôle. C'est-à-dire, il y a une assise qui est bien particulière, on n'est pas assis comme dans une chaise ou comme dans un fauteuil quand on regarde un match de rugby par exemple. Il faut arriver à se coordonner au niveau des roues, au niveau de la poussée pour avoir une poussée efficace, pour pouvoir tourner, pour pouvoir manier le fauteuil au mieux, en arrivant à faire des choses qui ne sont pas forcément répétitives pour une personne valide. Les valides de l'équipe les ont rejoints un peu par hasard au début pour accompagner un parent ou un ami handicapé. Et ils sont restés, captés par l'intensité du jeu, par l'amitié qui règne ici. Alors que jouer dans un fauteuil est tout sauf confortable pour un valide. La difficulté, c'est que nous marchons, on est valide, on se retrouve en situation de handicap, 5 dents, 3 points, on n'a pas la même mobilité, on est obligé de faire avec, donc on est obligé de se mettre à la page comme eux, faire comme eux, travailler plus fort qu'eux, parce qu'eux ont l'habitude, mais nous, non. Les règles du jeu sont celles du rugby à 13, mais adaptées au fauteuil. Les plaquages sont bien sûr impossibles, alors les joueurs arrachent les flags, ces fanions placés sur l'épaule. Mais plaquage ou pas, le rugby reste un sport violent. Et cette rage sportive, cet esprit de conquête, il le préserve, même en fauteuil. Les vibrations qu'on peut avoir dans le corps, dans les colonnes vertébrales, dans les articulations, sont moins prononcées que quand on joue en valide, parce que c'est le fauteuil qui va prendre les chocs. Après, c'est vrai que des chocs, il y en a. Très souvent, suivant les matchs, il y a plus ou moins d'intensité. Il y a aussi cette différence, comme en valide, de gabarit. Donc effectivement, ça peut être dangereux comme sport. Ça, c'est un peu en retard, hein. L'esprit du rugby est là, avec quelque chose en plus peut-être. Les valides tirent ici leur chapeau devant le courage de ces hommes fauchés dans leur élan. Et cette reconnaissance vaut de l'or. Nous, on a toujours tendance à se plaindre quand on a mal quelque part. Eux, c'est un combat permanent. Donc c'est eux qui te donnent une belle leçon sur la vie et sur le reste. C'est la mi-temps et l'équipe des Handy Dragons mène largement au score contre Avignon. Pourtant Laurent, l'entraîneur, et Gilles, le capitaine, attendent plus d'engagement encore de leurs joueurs. Le rugby, c'est un sport violent pratiqué par des gentlemen. C'est des chocs, c'est des contacts, c'est de la puissance, fauteuil ou pas fauteuil. Il y a cet esprit, il ne faut pas lâcher l'affaire. On se bat jusqu'au bout. Est-ce qu'on a oublié les fondamentaux, là? C'est quoi? 1, 2, 3, vitesse, on envoie. 1, 2, 3. Gilles Clausels est le vétéran des Handy Dragons catalans. Et pourtant, à 54 ans, c'est encore l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Fils de vigneron, Gilles est un catalan pur souche. Il en a le caractère et la force. Et le rugby, c'est une part de lui-même. À l'origine, j'étais rugbyman, j'étais 15iste, et j'ai eu un accident fin des années 80. J'ai perdu une jambe et donc tout s'est écroulé parce que j'étais aux portes du bonheur, le club Fagnon, USAP, donc tout s'est effondré. Et puis voilà quoi, j'ai mis un peu de temps à récupérer parce que je pensais rugby, je voyais rugby, je vivais rugby, et là d'un seul coup tout s'arrête. J'ai eu quand même un trou noir qui m'a duré quelques années. Parce que je me sentais bon à rien, j'avais l'impression de ne pas être efficace, j'avais 28 ans, ne serait-ce qu'au niveau des filles, quoi. Qui va vouloir d'un handicap? Et c'est des questions qu'on se pose. Et puis un jour, j'ai vu un monsieur extraordinaire à la télé, il s'appelle Denis Oller, champion olympique à Séoul en 88, 200 mètres, 200 mètres, etc. Quand j'ai vu courir ce garçon, j'ai eu un déclic. Et c'est lui qui m'a fait me bouger et qui m'a donné l'envie de faire du sport. Enfin, de me remettre au sport.
De suite après, je m'entraînais dans les couloirs de la clinique. Les gens se mettaient sur la porte pour pas qu'il y en ait un qui sorte, un aide-soignant, enfin un infirmier. Ils bloquaient les portes et je m'entraînais sur... C'était assez cocasse. L'ancien rugbyman avait définitivement renoncé au sport qu'il avait tant aimé. Au début, il a choisi l'athlétisme jusqu'à ce qu'un joueur des Handi Dragons catalans demande à le rencontrer. Il est venu, il m'a contacté plusieurs fois pour me dire « Viens voir le rugby, viens voir le rugby ». Bon, j'étais pas chaud parce que j'arrivais pas à imaginer du rugby sur un fauteuil. Et un jour, j'étais à Perpignan, juste il m'appelle, il me dit bah, « Écoute, on s'entraîne, passe ». Je suis passé et je me suis assis dans un fauteuil et je suis resté. J'ai trouvé ce que j'avais perdu des années auparavant. Les valeurs du rugby sont les mêmes. Le courage, l'abnégation, les valeurs, voilà, le partage, tout ce qui fait qu'on aime le rugby. Gilles veut transmettre les vraies valeurs du rugby fauteuil et aider les jeunes handicapés à retrouver goût à la vie. C'est pour ça qu'il se rend régulièrement avec son équipe au centre de rééducation Bouffard-Vercelli à Cerbère. Objectif, faire connaître le rugby fauteuil, mais aussi recruter de nouveaux joueurs pour son club. Bonjour messieurs, dames. On va vous présenter le rugby 13 fauteuil. Voilà, c'est le rugby à 13 qui a été adapté sur le fauteuil. Ça se joue à 5 sur la surface, dans un gymnase, sur une surface de handball en général. Donc en jouant, vous comprendrez plus facilement parce que les règles ne sont pas si compliquées que ça. Et c'est ouvert à tous. Hein. Oui, non, mais je suis pas pressé. Il y a de la place. Il y a déjà des bons concurrents. Oui, mais. Ils sont impatients. C'est pas grave, il y a de la place. Un t-shirt, des flags et c'est parti. Gilles a vite repéré Christophe et son énergie. Le jeune homme est en rééducation ici après un accident de la route qui l'a rendu paraplégique incomplet. Juste un petit rappel, donc le tenu est symbolisé par l'arrachage du flag. Vous avez obligation de remettre le flag où on vous l'a arraché avant de jouer le ballon. Le fauteuil dans l'axe du terrain, on se remet le flag, on joue le ballon et c'est parti. Tu gardes ton ballon et ensuite tu te remets le flag et là tu peux jouer. Tous les joueurs handicapés de l'équipe des Dragons ont fait leur rééducation à Cerbère et la plupart ont été recrutés ici, comme Laurent, leur entraîneur. Au lieu de faire ça et de gesticuler, au contraire, viens en avant. Ouais, si ça te va mieux l'épaule droite parce que ou l'autre, tu présentes. Le mec il va te le prendre de suite, tu te remets le flag et derrière tu peux jouer. Très bien. Jouer l'action. Les Dragons veulent faire connaître le handi rugby, le partager, mais surtout montrer aux patients en rééducation qu'ils peuvent se reconstruire au travers du sport. Grosse sensation, hein. C'est très physique, très dynamique et pour le coup, on s'amuse bien, on y prend plaisir. J'ai adoré, c'était vraiment bien. Je trouve qu'on retrouve vraiment les sensations du rugby pour en avoir déjà fait en tant que valide. Et ouais, c'était vraiment sympa. Bien apprécié. C'est le but, voilà, de montrer le sport, le handicap, le rugby, et en même temps d'aller chercher des joueurs qui seraient intéressés par ce sport, ou un autre sport, peu importe, mais qui soient intéressés par le sport. Mission réussie auprès des jeunes, même si Gilles repart bredouille, aucun d'entre eux n'est de la région. À 22 ans, Sébastien Péchara est le plus jeune joueur du club. De nationalité britannique, il a été adopté par les Dragons catalans, un talent sûr, un espoir prometteur. Il vient même d'être sélectionné par l'équipe nationale anglaise de rugby fauteuil. Victime d'un accident de moto il y a 4 ans, il a dû être amputé d'une jambe, mais pas question pour lui de s'apitoyer sur son sort. Qu'est-ce qui t'arrive là ? J'ai pris qu'une chaussure en fait. Une chaussure de ville. C'est la galère. Et malheureusement, c'est un truc qui m'arrive souvent. Parce que du coup, les chaussures, je les enlève jamais au même endroit parce que souvent sur la prothèse, je les laisse en fait. Et du coup, je les sépare et puis j'oublie complètement parce que j'en mets une à gauche et je la mets pas à droite ou à l'air, c'est marrant. Bon voilà, je vais devoir mettre une basket apparemment.
Quand il ne joue pas au rugby, Sébastien est trompettiste. Il est tombé amoureux de cette région, de sa musique. Et aujourd'hui, avec son groupe, il donne un concert de musique catalane. Si j'avais pas eu l'accident, j'aurais peut-être pas eu autant de motivation à me lancer dans un sport et m'intéresser autant à un sport comme ça et mettre autant d'enthousiasme. Et du coup, oui, avec l'accident, là j'avais une rage en fait, de me battre pour atteindre le haut niveau en fait, du sport. Là, je suis arrivé dans le club des Dragons, après la première saison, il y a 4 joueurs de l'équipe qui sont partis faire la Coupe du Monde à Londres. Et forcément, ça m'a donné envie d'en faire autant. Épaulé par les anciens, c'est au sein de l'équipe des Andy Dragons que Sébastien a retrouvé sa joie de vivre et sa rage de gagner. Je me suis retrouvé dans un milieu avec plein d'autres personnes qui vivaient la même situation que moi, qui étaient handicapées comme moi. Et c'est vrai que du coup, c'était une grande aide, notamment avec Gilles Closeis, qui est amputé tibial comme moi, et qui a pu me guider tout au long de ma rééducation. Sans lui, je n'aurais pas été comme je suis aujourd'hui. Gilles, pour moi, c'était vraiment quelqu'un qui m'a permis de pousser jusqu'à la limite ma prothèse et savoir tout ce que je pouvais faire. C'était vraiment un élément super important tout au long de ces 4 dernières années. Solidarité et entraide, l'équipe des Andy Dragons, c'est aussi et avant tout une bande de copains. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Comment tu vas? Ça va et toi? Tu vas bien, Zab? Aujourd'hui, Sébastien, Axel et Sophie sont invités chez Nicolas et sa femme Karine. Des moments de partage précieux pour resserrer les liens. On est vraiment une bande de potes à la base. Pas d'équipe sans copains. Ah ouais, au rugby. Surtout rugby. Tu peux pas te serrer les coudes et te rentrer dedans pendant 80 minutes. Alors que tu peux pas blairer tes potes, quoi. Ouais. Parce que tu vas au soutien. C'est ça le rugby. C'est que tu es tout le temps au soutien du porteur du ballon. Tu es tout le temps à côté d'eux pour filer un coup de main. Tu peux pas le blairer et tu laisses aller se casser la gueule tout seul. Tu vois, l'activité perd de son sens. Au rugby valide, tu rentres dans un club. Pour t'intégrer, il faut quand même que tu te bouges un peu sur le terrain. Et que tu... Alors qu'en handisport, tu as quand même cet état d'esprit qui fait que voilà, tu démarres, tu commences, tu trucs, c'est pas grave. On va te montrer, viens avec nous, tu vois. Chose que tu vois pas dans le monde des valides quand même au rugby. Non. Nicolas a connu sa femme Karine pendant sa rééducation. Elle l'a aidé à surmonter son handicap, elle l'a aussi assisté dans l'élaboration de cette maison. Une maison pour couple mixte, les architectes ne s'étaient guère penchés sur la question, alors ils ont tout conçu eux-mêmes. Je voulais pas faire une maison qui ressemble à un centre de rééducation non plus. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est... Enfin, t'as dû te poser la même question aussi chez toi. C'est le truc où t'as pas envie de refaire un hôpital, quoi, à la maison. T'as envie que ça soit fonctionnel pour les valides, pour toi, pour le fauteuil, pour la circulation, pour le quotidien, pour les amis que tu vas recevoir. T'as les amis en fauteuil, t'as les amis debout. Tu peux pas sélectionner. Souvent, les gens pensent que les handicapés vivent seuls. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant. Tu peux l'appeler. Et du coup, quand tu cherches une cuisine, ben ça... Christophe. Tu l'as pas. Tu vas avoir toute la table à hauteur pour que la personne passe en fauteuil. Mais penser au niveau du conjoint de pouvoir se mettre debout, à hauteur, il n'y a pas forcément. Nous, on a réfléchi et l'idée, c'est d'en faire profiter les autres personnes en fauteuil. Parce que j'aurais aimé que, voilà, quand c'est arrivé à Nico, qu'on nous dise, y a une maison, on peut te montrer, sans passer par des spécialistes qui profitent du marché, tu peux réaliser une maison accessible. Nicolas est aujourd'hui consultant en aménagement intérieur pour les couples mixtes. Soit te doucher, soit prendre un bain. Ça ressemble pas à l'hôpital où tu as le truc spécifique pour t'amener, pour te mettre dans le bain ou pour un truc. Et de dire, on va faire un truc ultra simple, on va faire un bain. Ce soir, les Dragons catalans ont gagné le match. Ensemble, ils se sentent plus forts. Ensemble et grâce au sport, ils sont parvenus à surmonter leur handicap, à retrouver l'envie de vivre, la niaque.